give him. What is the name of your piece of air, Peter? For the second edition of the World Mind Sport Games, we are really more than happy to be here with you. Ladies and gentlemen, on behalf of the International Mind Sports Association, we are delighted to welcome you to the historic city of Lille and the opening ceremony of the second World Mind Sports Games. Our championships in bridge, chess, draft, go, and sayanki are taking place at the same time as the games of the 30th Modern Olympiad in London. Now you play now. And I play now. I am obliged. I have. Yeah, of course. If you say tomorrow you don't play, you play now. And you know, it is just great to have the whole family of mind sports together and be able to talk to your colleagues in bridge, to your colleagues in go, to your colleagues in xiangqi, and to your colleagues in chess. So we sincerely hope that 2012 World Mind Sport Games will not be the last ones. And we kind of reckon that in 2016, right before or right after the Brazil Olympics, we will have the third World Mind Sport Games in Brazil. Première chose, c'était une excellente opération pour la destination lilloise, hein, qui s'est positionnée en tant que base arrière des Jeux Olympiques de Londres. Et c'était aussi une excellente opération sur le mois d'août, puisque ça permet de faire travailler toute la filière économique liée au tourisme d'affaires, c'est-à-dire un palais des congrès, des hôteliers, des restaurateurs, des prestataires de services. Sur une période qui est traditionnellement creuse. Les Olympiades de l'esprit ont lieu en ce moment même. Bridgeurs et joueurs de go, d'échecs et de dames se sont donné rendez-vous à Lille Grand Palais jusqu'au 23 août. 137 pays sont représentés et la France est... Les sports là sont retenus et pas d'autres parce qu'il faut être un sport pur où la chance n'intervient pas, où il n'y a pas d'argent en cause. Il faut que ce soit la seule faculté intellectuelle, la connaissance du jeu qui prime. Pas du sport. On va jouer 16 donnes, et 16 donnes, c'est 2h20 de jeu. Et on va faire ça 3 fois dans la journée, 3 fois 16 donnes. Donc ça représente plus de 7 heures de concentration. L'intention est palpable, concentration, réflexion. Attention, l'attaque va être très rapide. Bienvenue au World Mind Sports, les Jeux mondiaux de l'esprit. Comme au JO, les joueurs ont été sélectionnés. Entre les compétiteurs et les accompagnateurs, on attend plusieurs milliers de touristes étrangers à Lille dans une période habituellement creuse. Et les premières réservations commencent à tomber. Par exemple, au Pot Beaujolais, rue de Paris, une table est réservée samedi pour 20 personnes en plein mois d'août. Le patron Lionel Rodriguez. C'est très rare. Faut que je regarde un de mes antécédents au niveau de mes chiffres. Mais c'est vrai que pour nous, c'est étonnant d'avoir une table comme ça. C'est insupportable parce que généralement, les entreprises, pas celles comme plat. Donc pour nous, ce samedi-là, oui, c'est déjà une grande première, tout à fait. La valeur ajoutée, on la trouve sur la dimension internationale de cet événement qui nous permet d'accueillir plus de 100 nationalités, ce qui représente une vraie opportunité de rayonnement pour la métropole lilloise. On est friand de ce genre d'événement puisque justement ça nous permet de faire connaître notre destination, nos équipements à toute la planète finalement. Thank you.
les échecs, oui. Il n'y a pas de barrière de langue où vraiment, on arrive devant un jeu, on parle la même langue quand on joue. Donc, on se comprendra tout le temps. C'est un des avantages, quoi. Ça casse les barrières, aussi bien culturelles, aussi bien les barrières de l'âge que des classes sociales. Voilà. Sur le Suite Novotel Lille Europe, on est plutôt sur une clientèle d'affaires et que le mois d'août est plutôt une période de vacances. Donc généralement, on est aux alentours de 50-55% de taux d'occupation. Le fait de pouvoir bénéficier des championnats du monde de bridge a été du pain béni pour nous. Un point positif d'une part pour l'activité de l'hôtel et un point positif aussi pour nous en termes de relations clients où on peut passer plus de temps et la relation est différente avec ce type de client. Les second World Mind Sport Games représente pour nous, les Africains, un forum important pour non simplement rencontrer ce qui se fait de mieux, la crème en matière de jeux de dames, mais aussi les différentes nations qui y participent. Moi, je pense que c'est un honneur d'être ici, c'est-à-dire que je suis heureux d'être là et de pouvoir rencontrer toutes ces personnalités. Oui, aujourd'hui, oui, tout à fait, sur un mois d'août, en tout cas, ça représente une vraie valeur ajoutée. Il est clair que on ne s'attendait pas à de tels résultats sur un mois d'août et que c'est un vrai plus et que ça a été réellement intéressant sur un point de vue économique, au-delà de la partie hébergement, même sur la partie restauration et la partie bar, bien sûr. En conclusion, il est vrai qu'on souhaite remercier les organisateurs donc, de ce tournoi, à la fois d'avoir choisi Lille, je pense que c'est une vraie reconnaissance, et puis aussi sur l'organisation et la sympathie des participants qui eux aussi étaient dans l'échange et ça a été vraiment enrichissant et très intéressant. The second Mind Sports game is a chance for players from all around the world to come together and share in the game they love, the game of Go, and learn from each other some experiences and we'll get some more expertise and knowledge about Go from learning from each other. It also gives us a chance to compare the ratings between different players from different countries. But I'm glad to see that with the IMSA initiated the World Mind Sports Games, and we see like more and more players are joined, participate in the Xiangqi competition. I believe that also to show the real value of our discipline, we have to be together, we have to work together for the same objective, to be recognized finally
by the Olympic Committee to be able to compete for the Olympic medal. This is our dream, this is our aim, and I strongly believe that only if we are able to work all together and to work together, we will be able to achieve this result. First and gold medal winner is the team.